La Société Havraise d'Aviron est une association créée en 1838. Aujourd'hui, elle nous ouvre ses portes. Bonjour, bienvenue au Club d'Aviron. Notre club compte actuellement 250 adhérents à l'année et c'est le plus ancien club des clubs d'aviron français. Notre club est une association sportive, elle est gérée par des bénévoles, par un conseil de 14 membres, avec à sa tête un président, un secrétaire, un trésorier. Et donc on accueille les jeunes à partir de 10-11 ans. Et on est aussi ouvert aux adultes qui cherchent une activité pour se remettre en forme. Et donc dans ce cadre-là, c'est plutôt en loisir, participation à certaines randonnées, la possibilité de visiter la France grâce aux rivières et canaux en faisant des randonnées d'aviron. Et on a même une section sport adaptée pour les déficients mentaux. L'aviron est un sport de vitesse et de glisse. Il demande une certaine pratique et de discipline. Jeune ou moins jeune, il faut un minimum d'entraînement avant de pouvoir prendre l'eau. Pour un débutant, on commence dans la salle d'ergomètre sur un ergo, en fait, à apprendre le mouvement, décomposition du mouvement. Une fois que le mouvement commence à être acquis, après on passe en planche, directement en planche. Le fond est plat, ce qui fait que c'est très stable et les débutants peuvent apprendre le mouvement sur l'eau avec ces bateaux-là. Donc pour les jeunes, nous faisons des parcours PPG, donc c'est préparation physique générale, qui sont divers ateliers, comme vous pouvez en voir là, ce qui permet de travailler la coordination de tous les membres. Notre club accueille des rameurs toute la semaine, tous les jours, mais plus particulièrement le samedi, où là le club est ouvert dès 9h avec l'accueil des loisirs d'abord qui pratiquent de 9h30 à 12h30. Et ensuite le samedi après-midi avec le groupe compétition, les jeunes, et donc qui pratiquent de 14h à 17h. Alors n'hésitez pas, venez les rencontrer, vous découvrirez ce sport avec de longs bateaux effilés, au nom un peu particulier comme le skiff ou la yolette.